Vous êtes sur la page Facebook de condolégal.com. Il est 13h. Nous vous présentons cette émission en reprise parce que hier, on n'a pas pu. Nous avons éprouvé des difficultés techniques. Nous sommes très heureux d'être avec vous actuellement. Tous, nous sommes à la maison, confinés devant notre ordinateur, donc aucun souci. Nous respectons les règles de distanciation sociale. Je vous rappelle que pour revoir cette émission, vous pouvez aller sur condolégal.com. Si je peux avoir le vrai condolégal.com, je vais le voir à l'instant. Alors, vous allez ici, sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Le coronavirus en copropriété, émission de radio, en web radio » et vous êtes acheminé automatiquement vers les émissions précédentes. Et si vous voulez voir, consulter le bulletin sur le coronavirus, un bulletin d'une grande qualité, édité, dont l'éditeur est l'avocat émérite Yves Jolicoeur, qui est avec nous actuellement, vous cliquez sur cette bannière et vous avez accès à tous les bulletins. Et je vous signale par ailleurs que toutes les fiches pratiques sur condolégal.com qui touchent l'assurance ont été mises à jour. Alors, vous voyez ce que j'ai fait. Vous faites la même chose que moi et vous allez directement aboutir sur ces fiches pratiques qui ont été faites avec soin, avec beaucoup de rigueur. Alors, je vous invite à aller les consulter dès que vous le pourrez. Et également, bon, c'est François Cellier qui vous parle. Nous sommes donc, comme je le disais, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. J'ai ici nos trois invités que je vous présente immédiatement. Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages, qui fait beaucoup dans la copropriété. Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, ainsi que David Ménassé, gestionnaire et président d'équipe Propri-Gestion. Alors, le grand public a besoin de comprendre les tenants et aboutissants du projet de loi 141 qui a été adopté en décembre 2018. Alors là, on nous sort un règlement sur quatre dispositions contenues dans le projet de loi 141 en pleine crise du coronavirus et est-ce le bon moment? Alors finalement, on ne choisit pas toujours son moment. Mieux vaut tôt que tard, dirions-nous. Alors la controverse est grande. Plusieurs syndicats de copropriétaires ne comprennent pas les subtilités de cette réforme législative. Alors nos invités vont l'expliquer de long en large et pour cause puisque après l'adoption du projet de loi 141, on a dit aux gens que plusieurs de ces dispositions n'entreraient en vigueur qu'après avoir été adoptées par règlement du gouvernement. Alors là, il y a confusion, mais tout ça sera démystifié aujourd'hui. Les gens sont également nombreux à se plaindre que le fonds d'auto-assurance représentera une charge financière supplémentaire pour un syndicat de copropriétaires. Là-dessus, plusieurs juristes nous disent qu'au contraire, le projet de loi 141 vise à mieux protéger les syndicats de copropriétaires. Alors, le projet de loi 141, je vous le rappelle, aujourd'hui, un règlement a été annoncé récemment. Dans ce règlement, il y a 4 des 6 dispositions qui devaient être adoptées par règlement du gouvernement. On parle du fonds d'auto-assurance notamment. On parle de l'assurance responsabilité civile obligatoire des copropriétaires. Également de la valeur de reconstruction de l'immeuble et de l'assurance d'un syndicat de copropriétaires qui devra comporter certains éléments. Autrement, l'assureur devra le préciser que ces éléments ne sont pas inclus. Première question, Maître Yves Jolicoeur, qu'est-ce qu'on doit penser de cette annonce, de ce règlement qui vient d'être annoncé? Écoutez, c'est un aboutissement d'un processus qui a été commencé en 2018 par les libéraux avec le projet de loi 141, qui avait des dispositions particulières sur le droit des assurances, au terme desquelles on remodelait le Code civil du Québec qui avait été adopté en 1994. Donc, on a un chapitre particulier sur l'assurance en propriété divise. 141 est une des premières législations en matière de copropriété où on fait entrer en vigueur la loi en fonction de l'adoption de règlements. Alors, ces règlements viennent préciser certains articles du Code civil. Donc, finalement, c'est un processus législatif en cascade. Je vous rappelle également, M. Cellier, que ce projet de loi 141 a fait la manchette dans de nombreuses copropriétés, notamment en raison des dispositions de l'article 1074.2 qui amenait finalement un changement dans l'interprétation qu'on donnait à la responsabilité des copropriétaires.
C'était, dans le fond, une tollée hein, de plusieurs syndicats qui disaient, écoutez, les assureurs en responsabilité civile ne veulent plus payer pour les dommages occasionnés par leurs assurés. Prenons l'exemple flagrant d'un chauffe-eau qui brisait. M. Menessé aura certainement des exemples à nous donner là-dessus, alors que auparavant, tout était payé par l'assureur en responsabilité civile en ce qui a trait à la franchise. Donc, cheminement 141, à l'époque du ministre Aitao. Par la suite, il y a eu un tollé contre cette disposition législative, je vous rappelle, M. Cellier, en pleine commission parlementaire sur le projet de loi 16, qui était en train, c'était l'étude des autres dispositions modificatives au droit de la couverture devant la ministre Laforêt en pleine commission parlementaire. Débat qui avait d'ailleurs été soulevé par Mme Lise Thériault, ancienne ministre de l'Habitation, qui était la représentante du Parti libéral, en disant que plusieurs citoyens se plaignent de cette disposition malheureuse. Ce n'était pas l'intention d'ailleurs de mon collègue Gaïtéo à l'époque de déresponsabiliser les propriétaires. Ça s'est passé l'été passé. Et par la suite, le gouvernement de M. Legault est venu corriger le tir par le projet de loi 41, d'ailleurs, qui était un des derniers projets de loi adoptés avant la fermeture de l'Assemblée nationale au mois de mars. Et par la suite, toujours dans cette cascade législative, ce règlement qui a été adopté par l'entremise d'un dépôt dans la Gazette officielle et qui est venu, dans le fond, faire démarrer certaines dispositions législatives sur l'assurance. Donc, évidemment, tout ça, c'est un, je l'appellerais, un micmac pour certains de dispositions législatives qu'on a, évidemment, vulgarisées sur le site Condo Légal dans la section que vous avez soulignée précédemment. Je pense que, Angelica, pour que nos auditeurs comprennent bien, on va faire les choses simples. L'article 1074.2 a transféré le fardeau de la preuve sur l'assureur, pas sur l'assureur, mais en fait, le 1074.2, ce qui a changé, ce qui avait changé et qui revenait à la normale, c'est que l'assureur ne payait plus lorsque un sinistre, par exemple un dégât d'eau en provenance, provenait d'une unité. Alors l'assureur disait, nous, on ne paye pas, alors qu'avant, l'assureur du propriétaire payait. Je pense que c'est important de clarifier, Madjulkar, la chose pour que les gens comprennent bien. En fait, plus précisément, c'est qu'avant cette modification à la loi par le projet de loi 141, les assureurs en responsabilité civile, les copropriétaires, essentiellement payaient pour les dommages occasionnés par un bris d'un chauffe-eau. Il y avait la présomption à l'effet que le copropriétaire en était responsable. Par l'adoption de 141, les assureurs en responsabilité civile ont vu, dans le fond, une façon, dans le fond, de nier couverture en disant au syndicat, si vous ne prouvez pas que notre assuré a commis une faute directe, on ne paye pas. Alors qu'autrefois, il y avait une présomption à l'effet qu'il en était responsable, présomption qui pouvait toujours être réfutée. Donc, les assureurs ont changé littéralement de façon de voir les choses, ce qui a fait en sorte que les franchises d'assurance qui étaient payables autrefois par l'assureur du courtier ont cessé de l'être et les syndicats ont été obligés d'acquitter ou d'assumer leur propre denier les franchises d'assurance, ce qui a amené des problématiques de trésorerie. Et 41, justement, est venu remettre ce que j'appellerais l'ancien droit en vigueur parce qu'il est clair que ça n'a jamais été l'intention de Québec de déresponsabiliser les courtiers. Je vous rappelle qu'on a eu des cas pathétiques. Il y a à peu près un an, pas l'hiver dernier, mais l'autre hiver d'avant, on a vu un cas à l'île des Sœurs où une locataire avait laissé la porte patio ouverte. On a eu 3 pieds de neige à l'intérieur du logement. Les tuyaux ont brisé. Et évidemment, le syndicat qui avait une franchise d'à peu près 25 000 $ a revendiqué du copropriétaire locataire le montant de la franchise et l'assureur du copropriétaire en responsabilité civile a dit: écoutez, ce n'est pas notre assuré qui a laissé la porte ouverte, mais son locataire. Alors, vous irez poursuivre le locataire, mais pour nous, il n'y a pas eu de faute directe. Alors, évidemment, c'était révoltant. Hein, les gestionnaires, les conseils d'administration étaient révoltés. Donc, 41 est venu modifier, remettre en fonction le droit. Est-ce qu'on peut penser, Madjulkar, que 41, maintenant, clarifie les choses et qu'on revient à l'ancien esprit de la loi au regard de cet article? Ben, c'est certain qu'en termes d'esprit, on revient. Nous, comme spécialistes du droit de la couverture, on n'est pas tout à fait satisfaits de la mesure. On aurait préféré qu'elle soit modifiée un peu plus, remodelée pour éviter des bonnes interprétations.
Bon, écoutez, on a le respect de nos parlementaires. Ça a été vu différemment. Voilà. Donc. Alors, la prochaine question, Vincent Gaudreau. On sait qu'actuellement, l'industrie de l'assurance n'a pas seulement le gros bout du bâton, comme disait David Ménassé hier, mais ils ont tout le bâton là, en ce moment. Hein? On est passé de 11 assureurs en copropriété à 6. Je crois qu'il en reste 6 encore. Quoi que ça peut changer, hein? Ça change vite. Est-ce qu'on peut penser, Vincent, que les assureurs vont se conformer à cette correction sur le plan législatif, ou est-ce que certains d'entre eux pourraient continuer de dire « Bon, ben, de toute façon, vous n'avez pas le choix. » Nous sommes peu nombreux à vous assurer, puis si vous n'êtes pas heureux, ben, vous n'aurez plus d'assurance. Est-ce qu'on peut penser que certains assureurs vont continuer de faire la lecture du controversé 1074.2? Ben, en fait, d'une part, c'est sûr que les compagnies d'assurance naviguent dans un environnement qui est très réglementé à la base. Donc, les compagnies d'assurance, les mots à mots sont réglementés, la tarification est réglementée, les couvertures sont réglementées, il y a beaucoup de juridique et de réglementation et de lois dans le milieu de l'assurance. Donc, évidemment, les assureurs vont se conformer aux lois qui ont été faites. Il faut dire quand même que la loi nouveau 41, ça fait à peine un mois qu'elle est officiellement en force. Je pense que les assureurs vont se conformer à ça. Après ça, au niveau de l'interprétation, évidemment, je pense qu'on va le voir à l'usage. Qu'est-ce que les assureurs vont décider de faire au niveau là, de la défense des copropriétaires, puis à quelle vitesse, comment ils vont payer un syndicat qui viendrait réclamer une franchise à un copropriétaire qui est responsable. Je pense que ça, on va le voir à l'usage, avec l'expérience, tout ça. Je pense que certains assureurs probablement vont être plus rapides que d'autres à réagir par rapport à ce changement-là, mais je suis convaincu que tous les assureurs vont se conformer à la loi. Ils n'ont pas vraiment le choix. De toute façon, la loi, c'est la loi, autant pour les assureurs que pour tout le monde. Ouais. C'est sûr qu'ils ont été assez rapides aussi à se conformer au changement qui a été fait. Je pense que personne n'anticipait nécessairement l'interprétation qui a été faite par les assureurs du changement de 141. Par contre, avec ce nouveau changement-là, les assureurs n'ont pas le choix de s'adapter non plus. Alors, un internaute, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'un internaute sur Facebook nous demande pourquoi faire cette émission à l'heure du point de presse de notre premier ministre du Québec, François Legault. Eh bien, nous n'avions pas le choix, il fallait la faire à 13h. On est vraiment désolé, habituellement, c'est à 15h. Mais hier, on a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, des difficultés techniques. Donc, on a fait ce qu'on a pu dans les circonstances. Mais c'est enregistré, nous en excusé. De toute façon, comment? C'est enregistré, donc les gens peuvent l'écouter. Oui, effectivement, les gens peuvent en plus réécouter en rediffusion, mais nous sommes heureux de vous avoir en direct aussi, n'est-ce pas? Vincent, pour donner suite à ce que vous venez de dire, les assureurs, là, puis souvent le grand public perçoit les assureurs, bien des gens nous disent « Ah, les assureurs, ils font tout pour ne pas payer. Hein? Ils sont là pour éviter de payer quand ils le peuvent. » Alors qu'en fait, si tout est conforme, si le contrat est clair pour les deux parties, les assureurs n'ont pas intérêt à aller au tribunal et à se faire vilipender par un juge qui pourrait avoir une plus grande sensibilité à l'égard des consommateurs qui sont au tribunal. Donc, est-ce que vous êtes d'avis, Vincent, que les assureurs, habituellement, quand ils doivent payer, ils payent? Absolument. En fait, si on parle juste au Québec, les assureurs paient entre 4 et 5 milliards de réclamations par année juste au Québec. Donc, en assurance automobile, c'est 3 milliards de réclamations à chaque année qui est payé par les compagnies d'assurance. Donc, les compagnies d'assurance paient des réclamations. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est sûr que le problème au niveau de la copropriété depuis quand même plusieurs années, c'est qu'il y avait beaucoup plus de réclamations qu'il y avait de primes. Donc, c'était un segment qui n'était pas nécessairement rentable pour les assureurs. C'est pour ça que plusieurs ont quitté ce segment-là. C'est que le niveau de réclamation par rapport au niveau de primes était débalancé. Donc, en soi, les assureurs ne sont pas nécessairement favorisés de ne pas payer des réclamations. Autre chose aussi, c'est sûr que les compagnies d'assurance qui se retrouvent en cours contre Maître Jolicard, par exemple, risquent de se faire vilipender justement par le juge. Puis souvent, les assureurs ne sont pas nécessairement bien perçus par la cour. Pas nécessairement bien perçus, mais c'est sûr que la cour a souvent un préjugé favorable pour le consommateur ou pour le client ou pour l'assuré versus l'assureur. C'est parfaitement correct comme ça. Donc, les assureurs, généralement, ne veulent pas judiciariser un dossier, d'autant plus, évidemment, que ça amène des frais supplémentaires, autant pour l'assuré que pour eux-mêmes. Donc, dans la mesure où c'est clair, ils vont faire les paiements en conséquence, puis il n'y a pas de problème. Mais comme je dis, les assureurs paient des réclamations de façon régulière, puis il n'y a pas de problème. C'est souvent le 2 à 3 % et là, il y a des problèmes d'interprétation, des problèmes de montant d'assurance ou on tombe dans les zones grises où là, il peut y avoir certains problèmes, mais dans 98 % des cas, la réclamation se paie sans trop de problèmes. Donc, la prochaine question s'adresse à David Ménassé, gestionnaire de copropriété chez Équipe Propriégestion. Il en est le président. Alors, David,
Le fonds, commençons par le fonds d'auto-assurance qui deviendra obligatoire en 2022. Est-ce que pour vous, les échos dans les copropriétés que vous gérez, quel est-il, comment les gens perçoivent ce fonds d'auto-assurance? Est-ce que c'est une charge financière additionnelle ou est-ce que les gens le voient d'un bon œil? Forcément une charge additionnelle. Après, ça dépend du montant de la franchise. Donc, c'est vrai que ça dépend aussi de la franchise par copropriétaire. Une franchise de 10 000 pour 40 personnes ou 10 000 pour 8 personnes n'a pas le même impact du tout. Et ce qui était important de savoir, c'était aussi le temps requis pour la constituer, cette franchise d'auto-assurance. Et puis, elle a été corrélée avec 141 et puis cette disposition imposant de prouver la faute et non plus la simple responsabilité du copropriétaire. Donc, elle était liée à l'injustice ressentie par les propriétaires de ne plus pouvoir réclamer le montant des réparations ou de la franchise au propriétaire responsable et son assureur. Et donc, elle était logique au terme de constitution dans le cadre d'un illogisme, cette insulte qui avait été faite au copropriétaire en décembre 2018. Bon. Surtout, c'était l'imprécision sur la franchise la plus élevée à part la franchise pour tremblement de terre, de sorte qu'il restait l'inondation, qui est souvent vers 25 000 $ pour un bâtiment de 5 ou pour un bâtiment de 200. Donc, ça était quasiment le garant de la perte de ce qui s'est passé avec la loi 41. C'était impossible de dire à 100 ou 5 personnes, vous allez mettre 25 000 $ de côté pour la franchise pour inondation. Donc, avec ce qui a été modifié, il reste la franchise, la troisième franchise, je dirais la plus élevée à part ces deux-là. Donc, ce que voulait probablement le législateur, la franchise pour les dégâts par l'eau. Comme en moyenne, elle est située entre 5 000 et 10 000 $, mais on a des 25 000, on a des 100 000 aussi à constituer. Beaucoup de nos syndicats, dans les mois précédents, ont quasiment tous constitué leur franchise pour les dégâts d'eau. Elle est pour beaucoup déjà constituée. Pour d'autres, elle est par étapes. Quelques-uns n'ont pas commencé, ont voulu repousser l'échéance. Maintenant, on a les échéances. On a façon de commencer soit au plus tard le 15 avril 2022, soit dès maintenant à les inciter à la mettre de côté. Parce que d'un autre côté, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, un sinistre peut arriver demain. Maître Jelicoeur, on a souvent entendu dire au cours des derniers mois et des quelques dernières années par plusieurs syndicats de copropriétaires que le fonds d'auto-assurance, c'est une charge supplémentaire, c'est de l'argent qu'on va devoir payer en plus de ce qu'on paye en ce moment. Mais selon vous, c'est plutôt une mesure qui vise à protéger les consommateurs, à mieux les protéger. En fait, la raison d'être du fonds d'auto-assurance, elle s'est présentée au moment où les franchises d'assurance ont commencé à exploser. D'ailleurs, je pense que M. Gaudreau le notait à juste titre. Les assureurs ont été durement impactés par des réclamations de plus en plus importantes, causées notamment par le vieillissement du bâtiment ou également la mauvaise construction. Alors, les assureurs se sont dit, on va partager le risque. Hein. C'est le principe d'une franchise d'assurance, c'est que l'assuré et l'assureur se partagent le risque et la franchise, c'est une bonne idée, surtout une franchise, parce que lorsqu'on a une franchise élevée, on a tendance à vouloir sauvegarder son bien et de ne pas trop réclamer. Donc, on va en amont faire des mesures préventives. Lorsqu'on avait des franchises à 1500 $ et qu'on avait un sinistre, c'était pas un effort financier significatif pour une copropriété d'assumer le montant de la franchise. Mais lorsqu'on a commencé à avoir des franchises de 25, 50, parfois même 500 000 $ dans des cas extrêmes, là, évidemment, c'est des sommes qui sont soudaines et dont les copropriétaires n'avaient pas forcément les moyens d'y faire face. Et ça a donc amené le législateur à se dire le bâtiment, il doit être établi rapidement. Si les copropriétaires n'ont pas les deniers requis pour compenser la somme non versée par l'assurance, ce qu'on appelle la franchise, ils vont peut-être retarder l'exécution des travaux. Et comme de fait, on a été à même de constater dans de nombreuses copropriétés que des copropriétaires sinistrés étaient laissés à eux-mêmes
suite à un sinistre et que les travaux se faisaient par l'expérience sinistre de l'assureur était bien disposé à verser l'indemnité qui devait être versée par son client l'assureur, mais le syndicat ne suivait pas. Alors, c'est donc la raison d'être de la franchise d'assurance, c'est de s'assurer que les deniers requis seront au rendez-vous lorsqu'on doit faire des travaux de réhabilitation. Alors, en tant que tel, ce n'est pas une dépense, c'est de l'épargne forcée, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'on met de côté et on se dit, ben, lorsque ça sera requis. Bon, certains ont décrit en disant, écoutez, c'est d'infantiliser les copropriétaires que de créer des franchises d'assurance. On est certainement capable de sortir l'argent en temps opportun, mais ce n'est pas la réalité à côté. Qui connaît les finances personnelles de ses voisins? Qui sait qu'il y a des liquidités ou pas des liquidités? Alors, lorsqu'on vit dans un régime collectif, ben, il faut être prêt à accepter de faire de l'épargne collective. Donc, ce n'est pas en tant que tel une dépense. Vincent, pour clarifier une chose, la franchise, c'est le montant qu'on appelle partage de risque que le syndicat doit payer avant que l'assureur commence à payer. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Juste pour que les gens comprennent bien, c'est le syndicat doit payer la franchise, disons 10 000, 15 000, et ensuite l'assureur fait le reste, c'est ça? Comment on doit le... Mécaniquement, ça se passe comment? Vincent, est-ce que vous êtes là? Vincent? Ah, le micro de Vincent a été coupé. Oui. Non, voilà, OK, Vincent. Ça coupait, est-ce que vous m'entendez? Vous avez entendu ma question, non? Hein? Vincent? Non, je n'ai pas entendu. OK, alors Vincent, je repose la question. Vas-y. Question simple, réponse simple, pour que les auditeurs comprennent bien. La franchise est le montant qu'on appelle partage de risque entre l'assureur et le syndicat, qui doit être payé par le syndicat, disons 10 000, 15 000, avant que l'assureur entre en jeu. Mais mécaniquement parlant, pour que les gens comprennent, il faut que le syndicat paye la franchise avant que l'assureur commence à indemniser, c'est ça? Non, pas nécessairement. Il y a différentes formules, là, mais parfois, l'assureur va faire le chèque. C'est un chèque qui va se faire à l'entrepreneur et au syndicat de copropriété. Le chèque va se faire en même temps. Évidemment, le montant d'indemnité va être amputé de la portion de la franchise. OK, voilà, c'est ça. Mais alors, souvent, il va manquer de l'argent au chèque qui va être fait par l'assureur, qui va être la portion de la franchise. Donc, évidemment, le syndicat, s'il n'y a pas l'argent de son côté, c'est problématique de commencer des travaux. Vincent, on en parlait en pré-entrevue, vous et moi, hier. C'est que, bon, la franchise semble être une grosse bouchée pour un syndicat de copropriétaires. En général, les syndicats de copropriétaires ont des moyens financiers limités, si on peut dire. Ils ne sont pas millionnaires. Mais on disait par contre, en revanche, que vous disiez que les franchises sont habituellement proportionnelles à la taille des copropriétés. Est-ce que c'est toujours le cas ou il y a des exceptions? Il y a des exceptions. Je dirais une bonne règle du pouce, c'est de regarder la franchise par unité. Donc, on parlait d'une franchise de 100 000 $. Une franchise de 100 000 $ pour un 10 unités, c'est évidemment énorme. Pour un 100 unités ou pour un 200 unités, là, ça fait plus de sens. Puis ça équivaut, par exemple, une franchise de 500 $ par unité, ce qui est l'équivalent de ce que les gens ont souvent sur leur contrat d'assurance personnelle. Donc, évidemment, une bonne règle du pouce, c'est de le ramener par unité. C'est quoi quelle est la franchise par unité? Après ça, évidemment, on a des cas d'exception. Ou si, par exemple, vous avez un syndicat de copropriété qui a des gros problèmes de dégâts d'eau, où il y a une fréquence de dégâts d'eau, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, une des façons de trouver de l'assurance de ce syndicat-là, ça va être d'augmenter de façon importante la franchise, au moins pendant un certain temps, le temps que la situation se rétablisse et l'expérience de réclamation de ce syndicat-là ait plus de sens. Donc, ça arrive dans certains cas où on peut avoir des franchises plus importantes, mais c'est vraiment dans des circonstances où vraiment il y a une fréquence puis on a un syndicat qui a un problème. Et en temps normal, la franchise va être proportionnelle à la capacité de payer du syndicat. Alors donc, le fonds d'auto-assurance est une... On peut dire que c'est un des plats de résistance de l'adoption du projet de loi 141, qui, je le rappelle, a été adopté par règlement du gouvernement. Je pense que c'est le 20 avril que l'annonce a été faite. Il y a le fonds d'auto-assurance obligatoire qui entrera en vigueur en 2022. Donc, à partir de 2022, les syndicats de copropriétaires auront 2 ans pour le constituer, selon un calcul que je vous exposerai tout à l'heure. Je vous référerai à un site qui explique assez bien comment le constituer sur une période de 2 ans.
pour ceux qui n'en ont pas, évidemment. Ceux qui en ont, ça ne les touche pas. Mais il y a aussi, dans l'adoption du projet, dans ces règlements, dans ces quatre règlements, l'autre volet, c'est la valeur de reconstruction d'un immeuble, terme qui a remplacé la valeur à neuf. Donc, cette valeur de reconstruction d'un immeuble pour fin d'assurance devra être exclusivement calculée, évaluée par un évaluateur agréé. David Ménassé, est-ce que c'est une bonne chose que ce soit un évaluateur agréé? Écoutez, pour nos clients, on n'a pas attendu que ce soit officiellement obligatoire. On a toujours estimé que ça l'était, que l'étude devait être faite par un évaluateur agréé qui puisse garantir que le montant calculé pour la démolition, les expertises et la reconstruction soit suffisant pour couvrir le bâtiment, pour couvrir les responsabilités des administrateurs et pour qu'il n'y ait pas d'insuffisance d'assurance. Ouais. Medjelkar, j'en ai discuté avec un évaluateur agréé qui me disait que oui, les évaluateurs agréés, évidemment, sont les personnes qui offrent la meilleure garantie, soi-disant, parce que bon, ils ont une assurance responsabilité professionnelle, mais il y a aussi des évaluateurs qui ne sont pas agréés, mais qui font du bon travail. Mais comment on peut départager tout ça? Est-ce qu'il est logique et justifié que ce soit, que ce ne soit que des évaluateurs agréés qui puissent faire ces évaluations? Dans un premier temps, à partir du 15 avril 2021, si ça va être la loi, on n'aura pas le choix que de retenir les services d'un évaluateur agréé. Maintenant, parlons maintenant de compétences. C'est sûr que quand vous êtes membre de l'Ordre des évaluateurs agréés, vous êtes membre d'un ordre professionnel. L'ordre professionnel a des normes de pratique, c'est-à-dire que les évaluateurs agréés, en théorie, j'imagine en pratique, j'espère, ne peuvent pas s'imaginer des recettes. Moi, je vais le faire de telle façon, l'autre va le faire de telle autre façon. On appelle ça des standards de pratique qui sont établis par l'ordre professionnel. Donc, dans ce sens-là, quand vous transigez avec un évaluateur agréé, en principe, vous allez avoir la même prestation de service sur les mêmes normes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est dès que vous êtes membre de l'ordre professionnel ou d'un organisme d'autoréglementation, notamment comme la Chambre d'assurance dommages, vous êtes tenu à avoir une assurance responsabilité civile pour les gestes que vous posez. De telle sorte que vous êtes certain, en transigeant avec un évaluateur agréé, que celui-ci, s'il commet une erreur, bien, il y aura un assureur qui compensera en totalité ou en partie les dommages qui vous sont occasionnés. Donc, je pense que c'est pour moi un incontournable de transiger avec un professionnel, parce que c'est un élément qui est trop important pour les courtiers. Si jamais il y a un sinistre où on a même une perte totale et que l'assurance est insuffisante pour reconstruire, bien, on va mettre des gens à la rue. Donc, je vous dirais que ce n'est pas un vrai sujet, un vrai débat, à savoir si on prend un évaluateur tout court ou un évaluateur agréé. Vincent, je pense qu'il est important d'expliquer aux gens l'importance de la bonne valeur de reconstruction, parce que autrement, les syndicats de propriétaires qui sont ce qu'on appelle sous-assurés, qui ne le savent peut-être pas actuellement, il y en a qui sont sous-assurés sans le savoir, alors ils vont être soumis à la règle proportionnelle de 80-90%. Et si le sinistre est majeur, eh bien là, il manquerait d'argent pour réparer les dégâts. En fait, d'expérience, la majorité des problèmes en réclamation viennent souvent de montants d'assurance qui sont insuffisants. Que ce soit en copropriété ou dans n'importe quel autre type de réclamation, le nerf de la guerre, c'est vraiment les montants d'assurance. Parce qu'évidemment, même si vous avez la meilleure police d'assurance qui couvre tout, qui n'exclut rien, qui est extrêmement généreuse, puis vous avez un assureur qui est très proactif, si les montants d'assurance ne sont pas au rendez-vous, vous risquez d'avoir des problèmes. Puis effectivement, en copropriété, comme dans les autres domaines, il y a une règle proportionnelle qui s'applique. Donc, vous avez une obligation dans votre contrat d'assurance de vous assurer pour 80, 90 ou 100 % de la valeur réelle de votre bâtiment. C'est une clause relativement complexe. Je peux essayer de vous l'expliquer en une ou deux minutes. Mm-hmm. Mais si, par exemple, vous êtes assuré pour 1 million, vous avez une perte totale et l'assureur se rend compte que vous auriez dû être assuré pour 2 millions, ce n'est pas 1 million que l'assureur va vous donner comme il est dans votre contrat d'assurance, ça va être 500 000. En fait, on va faire exactement une proportion, puis vous allez avoir la moitié du montant qui était sur votre contrat d'assurance. Donc, non seulement il va vous en manquer 1 million parce que ça aurait pris 2 pour vous reconstruire, mais en plus, vous n'aurez même pas la totalité du montant qui est sur votre contrat d'assurance. La clause de règle proportionnelle là, est sur la plupart des contrats, autant en habitation qu'en
en commercial, donc c'est pas quelque chose de spécifique au syndicat de copropriété, mais ça fait souvent que les gens ont des mauvaises surprises lors de leur réclamation, parce que non seulement ils se rendent compte qu'ils auraient dû prendre un montant supérieur, mais en plus, ils ont un montant qui est en deçà de ce qu'ils ont sur leur contrat. Donc, évidemment, ça cause des problèmes. L'autre chose, les gens souvent ont le réflexe de sous-estimer la valeur de leur bien. En général, vont sous-estimer combien ça vaut, combien ça coûterait à refaire, tout ça. Donc, évidemment, elles vont nous donner des montants qui sont erronés. Donc, en faisant affaire avec un évaluateur agréé, bien, ils transfèrent, comme j'ai déjà dit en formation, un conseil d'administration, il y a la patate de mettre le montant sur le contrat d'assurance. Ce n'est pas le représentant, ce n'est pas le courtier, ce n'est pas l'agent qui met le montant sur la police. C'est le syndicat qui doit donner ce montant-là. Donc, la patate est dans les mains des administrateurs qui apprennent, qui donnent un évaluateur agréé qui, lui, a les assurances pour. Il transfère la patate ou la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et avec ça, bien, évidemment, là, ça, il se libère de cette responsabilité légale-là qu'ils ont. Vincent, corrigez-moi si je me trompe. La règle proportionnelle s'applique si la copropriété est sous-assurée parce que, logiquement, si la copropriété avait été bien assurée, bien, les primes auraient été plus élevées puis la franchise aurait été en conséquence. Ben, en fait, c'est que pourquoi il y a cette clause-là sur à peu près tous les contrats d'assurance? La théorie derrière ça, c'est que l'assureur, si par exemple dans le cas de 1 million, 2 millions que je parlais tantôt, ça veut dire que l'assureur a ramassé la prime pour 1 million de biens, mais il est exposé, son risque de sur lequel il est exposé, c'était 2 millions. Donc, il se retrouve à avoir la prime pour un exposé d'un million, alors que son exposé réel, là, ce qui est sur le terrain pour lequel il peut avoir des réclamations, c'est 2 millions. Donc, c'est pour ça qu'il y a une clause de pénalité pour inciter les gens à avoir les bons montants d'assurance, parce que si vous n'avez pas les bons montants, par définition, vous n'avez pas les bonnes primes. Donc, vous n'avez pas les. Puis, il va manquer des primes à la fin de la journée pour que l'assureur puisse indemniser les clients. Il y a Vincent, une dernière chose à propos de ce volet, c'est que. Oui. Les gens oublient aussi qu'il y a des mises aux normes parfois obligatoires qui entrent en ligne de compte et qui doivent s'ajouter aussi à la couverture d'assurance. Des mises aux normes, une municipalité, par exemple, qui décide que maintenant les immeubles de tant d'étages doivent être dotés de gicleurs. Exactement. Mise aux normes, coût de déblais, frais de, par exemple, de pour enlever les débris, tout ça. Des fois, ce n'est pas pris en considération dans les évaluations qui sont faites. Un autre exemple, tu sais, il y a quand même quelques technicalités là-dedans. Quand un entrepreneur fait un projet, ça va coûter 2 millions à l'entrepreneur, mais si vous demandez à un syndicat de se reconstruire, ça va coûter 2 millions plus taxes. Donc, parfois, on a des copropriétaires qui prennent le montant directement de l'entrepreneur, qui mettent un montant sur leur police d'assurance, mais c'est parce que ce n'est pas le même. Parce qu'un entrepreneur qui construit un projet va chercher ses taxes, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si ça va être comme ça longtemps, mais il c'est des intrants, donc il peut avoir ses taxes, mais ce n'est pas le cas d'un syndicat de copropriété. C'est quand même 15 % du montant. Donc, il y a quand même quelques subtilités comme ça. C'est pour ça qu'il faut que le courtier d'assurance prenne le rapport des valeurs agréées, l'analyse, savoir que tout est là. Puis une fois que c'est fait, on peut mettre le montant. De toute façon, les évaluateurs le savent là, pour la question des taxes. Là. Mais pour les frais de déblais, dans certains cas, ce n'est pas nécessairement si clair que ça dans les rapports d'évaluateurs agréés. Donc, c'est des choses qu'il faut discuter là, avec son courtier d'assurance. Puis si la mémoire est bonne, on a déjà vu des histoires de couverture d'assurance avec omission des taxes. Alors là, des taxes qui peuvent représenter 300-400 000 $ ben là, exact. Ben, effectivement, c'est 15 % du montant. Là. Donc, évidemment, quand on parle de 10 millions, c'est 1,5 million qui va manquer. Puis, au niveau des dispositions légales, c'est aussi particulièrement pour les vieilles copropriétés. Si on le voit, là, évidemment, c'est moins fréquent. On le voit aussi dans des copropriétés plus récentes, mais c'est moins le cas. Mais quand on parle de bâtiments historiques qui ont été convertis, notamment, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Là, si on a un plus vieux bâtiment, des trucs qui ont été construits il y a plus longtemps, dans des villes surtout, des endroits un peu plus congestionnés, c'est des questions qu'il faut garder là, définitivement. Ouais. David, le troisième élément sur quatre, c'est l'assurance responsabilité civile des copropriétaires qui va devenir obligatoire cette année, un peu plus tard cette année. David, dans vos copropriétés, je présume que la plupart des copropriétaires sont assurés. Est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas? Et si oui, avez-vous déjà été témoin de problèmes complexes suite à un sinistre parce qu'un copropriétaire n'était pas assuré? Oui. Disons que depuis des années, depuis un bon temps, on demande à chaque copropriétaire de fournir annuellement sa police d'assurance, soit pendant l'année, soit pendant l'Assemblée générale. La plupart des déclarations de copropriété précisent que c'est obligatoire. Certaines plus anciennes laissent le doute. Donc, c'était quasiment inévitable et impératif que ce soit officiellement obligatoire. Et oui, il y a des copropriétaires qui prennent l'assurance la première année quand ils vont acheter leur condo pour passer à la banque et qui ne la renouvellent pas. Il y en a qui la résilient le lendemain
d'être passé chez le notaire. Donc, en fait, il y a quand même une immense majorité de gens qui l'ont, qui la montrent, qui la fournissent. Mais on sait, on a vécu des cas dans des bâtiments où il y avait des franchises de 100 000 $ alors qu'on avait vraiment avisé les propriétaires en leur disant « Attention, c'est 100 000 $ qui vous seront facturés au maximum si vous n'avez pas d'assurance. » Et les gens n'avaient pas de couverture. Un sinistre est arrivé. La personne a dû payer 25 ou 26 000 $ au lieu d'une police d'assurance de 5 ou 600 $ par an. Oui, ça arrive. Ça, il y en a. Il y en a. Et dans d'autres bâtiments, peut-être moins informés, sans gestionnaire ou sans connaissance, il y en a encore beaucoup plus. Ça existe. David, toujours avec vous, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un investisseur étranger dit est difficile à joindre? On n'a pas ses coordonnées, on n'a pas son adresse, on ne sait pas c'est qui. Et on veut savoir si son condo est couvert. Est-ce qu'il a une assurance responsabilité civile? Est-ce que vous avez prévu des mécanismes pour éviter ce genre de situation? Ben, en fait, on sait que lorsqu'il y a un propriétaire à risque, pour n'importe quelle raison, on ne va pas se contenter de présumer qu'il est assuré, on va plutôt exiger d'avoir la copie de la police d'assurance. Parce que ce n'est pas suffisant de… Comme je vous dis, quelqu'un peut dire « j'ai une assurance » et la renouveler le lendemain. On ne va pas vérifier tout le monde tous les jours. Mais quand on a un propriétaire à risque, potentiellement dont on sait qu'il n'aurait pas d'assurance, on ne le lâche pas. On insiste vraiment jusqu'au moment où on l'a. Quitte à, au besoin, émettre des pénalités puisque la déclaration l'impose. Quitte à, et je pense qu'il y a une possibilité pour le syndicat de souscrire à sa place et le refacturer dans une certaine mesure. Mais je ne sais pas si c'est possible, mais enfin, je n'ai jamais vu en tout cas, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Donc, vous évoquez la clause pénale, évidemment, qui impose des pénalités aux infractions commises en copropriété. M. Dulcan, vous voulez dire quelque chose? Oui, ben, en fait, juste pour être bien précis, d'ailleurs, comme on l'indique sur le site Condo Légal, dans la fiche pratique assurance copropriétaire, on a une fiche pratique assurance copropriétaire. Disons, il y a une sous-section qui s'appelle responsabilité civile. L'obligation d'assurer, elle existe au sens légal à partir du mois d'octobre prochain. Mm-hmm. Effectivement, vous descendez un peu plus bas, on va arriver sur l'assurance du propriétaire, celle-ci. Vous ouvrez l'onglet et vous allez dans la sous-section assurance, responsabilité civile, exactement sur celle où on est. Et la fiche nous explique la nature des risques. Et un peu plus bas dans la fiche, on donne l'obligation de s'assurer. Et effectivement, on l'indique très clairement dans l'obligation de s'assurer, juste un peu plus… voilà, on est exactement à l'endroit qu'il faut voir. L'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile au sens légal prend effet le 15 octobre prochain. Par contre, il faut savoir que la plupart des déclarations de copropriété imposent déjà une telle obligation. Et également, un peu plus bas sur la fiche, on explique le montant des couvertures. Alors, le montant des couvertures en responsabilité civile va être tributaire au nombre de fractions qu'il y aura dans une copropriété, c'est-à-dire, on parle de 13 fractions utilisées ou pouvant être utilisées comme unité de logement ou d'exploitation d'une entreprise. Alors, si dans une grande copropriété, il y aura donc nécessité d'avoir une assurance responsabilité civile supérieure. Et maintenant, on me pose déjà la question, oui, mais si jamais la déclaration de copropriété impose un montant supérieur en responsabilité civile, est-ce que c'est la déclaration ou la loi qui prime? Ben, si la déclaration est plus exigeante, il va falloir se fier à la déclaration de copropriété qui pourrait imposer, par exemple, 3 millions de $. Évidemment, il y a une question de contrôle, M. Cellier, hein, sur cette question-là. Comment puis-je, moi, comme administrateur ou comme gestionnaire, comme M. de Manassé, suivre si des polices d'assurance sont effectivement en vigueur ou pas? Bien évidemment, on va demander une attestation d'assurance, évidemment, et on va devoir, comme conseil d'administration, suivre les échéances des polices d'assurance. Il y a certains gestionnaires de copropriété qui indexent, ils ont un système d'indexation des couvertures d'assurance en assurance responsabilité pour justement, avant l'échéance, rappeler aux copropriétaires de bien s'assurer.
C'est une tâche qui est très lourde pour les gestionnaires. Ce n'est pas tous les gestionnaires, ça ne veut pas dire qu'un gestionnaire qui ne le fait pas est un mauvais gestionnaire, mais c'est une tâche lourde. C'est une tâche qui doit être suivie et c'est une tâche importante parce que si le copropriétaire n'a pas d'assurance responsabilité et par sa faute ou par le fait qu'un bien pour lequel il a la garde, il occasionne des dommages au bâtiment et qu'on est dans une situation de devoir le poursuivre en justice pour lui revendiquer les sommes, bien, c'est l'ensemble des copropriétaires qui va devoir supporter momentanément ce déficit. Alors, d'où l'importance d'avoir une copie des certificats d'assurance dans le registre de la copropriété. Et lorsqu'un sinistre est occasionné et, dans le fond, est causé par un copropriétaire, moi, je dis également au conseil d'administration deux choses. La première, c'est une décision de la Cour d'appel dans l'affaire des Verrières, où la Cour d'appel a rappelé aux administrateurs qu'ils doivent envoyer une mise en demeure avant de faire exécuter les travaux. C'est très important de savoir. Et de deuxièmement, d'aviser également l'assureur du copropriétaire qui a eu sinistre et que le syndicat considère que sa responsabilité peut être mise en cause parce qu'advenant que le copropriétaire néglige à viser son assureur, bien, ça va retarder le dossier. Alors, on a tout intérêt à accélérer le dossier et de déclarer le tout rapidement au niveau du conseil d'administration. Peut-être un autre point. Les copropriétaires qui louent leurs unités, c'est souvent les cas où j'ai vu que les copropriétaires avaient négligé de prendre l'assurance responsabilité, c'est dans des cas où ils louaient leur unité à autrui. Même si vous faites la location de votre unité, vous devez avoir de l'assurance responsabilité civile. C'est aussi essentiel que si vous habitez ou non votre unité. Vincent, justement, l'autre aspect qui peut être gênant dans certaines copropriétés, c'est que lorsque l'immeuble compte un certain nombre de locataires, disons, on est à moitié-moitié locataires, copropriétaires, les assureurs commencent à être frileux. Est-ce que c'est vrai? En fait, en partant, la location court terme est problématique. Le Airbnb et autres, ça, c'est clairement problématique à peu près dans n'importe quelle proportion. Je dirais pour un bâtiment, quand on parle de plus de 35-40% de location à l'intérieur du bâtiment, même location à long terme, certains assureurs pourraient être plus frileux. Certains autres sont à 50%. Ça varie. Je dirais que selon les assureurs, ça peut varier, là, les règles de souscription par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'un bâtiment où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de locations, comme par exemple des résidences universitaires ou autres, dans certains cas, ça peut poser problème. Ça dépend, mais c'est vraiment du cas. David, est-ce que vous vivez ces problèmes dans certains immeubles de locataires qui sont trop nombreux et qui commencent à déranger les assureurs? Et ça dépend effectivement des taux de ce qu'accepte tel ou tel assureur. C'est sûr que des bâtiments qui sont sur Sherbrooke ou près de McGill auront beaucoup de locations à des étudiants. Et oui, chaque année, les agents souscripteurs, les assureurs nous demandent, entre autres dans leur questionnaire, le pourcentage ou le nombre d'entités, d'unités qui sont louées. Il y a parfois effectivement un impact sur la prime. On essaie de le quantifier pour le savoir. Mais en général, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'à partir d'un quart, d'un tiers, on arrive à avoir une réaction de l'assureur assez négative. Mais c'est quand même assez peu répandu. Il faut vraiment que ce soit, je dirais, géographiquement localisé ou qu'il y ait une thématique dans le bâtiment. Maître Jolicoeur, la prochaine question. Elle est posée par un internaute qui nous écoute probablement en ce moment même. Les gens se demandent, plusieurs doivent se demander, les syndicats, est-ce qu'on peut financer le fonds d'auto-assurance par le fonds de prévoyance? Poser la question, c'est y répondre, mais je vous laisse répondre. Vous dites aussi, c'est poser la question, c'est y répondre. La réponse est non, pour de nombreuses raisons. Dans un premier temps, la nature des réserves que les copropriétaires doivent faire sont absolument, il n'y a aucune relation ou presque pas de relation entre les deux. Je vous rappelle que le fonds de prévoyance est dédié pour les réparations majeures et le remplacement des parties communes, alors que le fonds d'auto-assurance est essentiellement dédié pour assumer le montant de la franchise. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux à ce niveau-là. Mais un autre internaute nous dit, oui, mais nous, notre fonds de prévoyance, là,
il est plus que suffisant. Il y en a plus. Ça, c'est vraiment rare et je félicite cette copropriété. Il y en a plus qu'il le faudrait en cas de besoin. Et les gens se disent, ben, on peut peut-être prendre le surplus et le faire basculer dans le fonds d'auto-assurance. Ben, écoutez, ça peut être un cas exceptionnel. J'ai jamais vu ça d'avoir un fonds d'auto-assurance qui a des surplus. Mais compte tenu que c'est la copropriété, peut-être du parfait bonheur, donc qui a effectivement un surplus, ben, s'ils sont capables de justifier avec une étude de fonds de prévoyance qui a un surplus de façon exceptionnelle, on pourrait effectivement prétendre qu'on peut verser, on peut transférer le fonds, une partie de ce fonds dans le fonds d'auto-assurance. J'espère avoir bien compris la question de l'internaute. Sinon, monsieur ou madame, pour ne pas la nommer, je vous demanderai de faire le rectificatif, mais je crois bien que c'était ça. David, vous aviez quelque chose à dire? Oui, je pense qu'en fait, les gens confondent les liquidités disponibles au fonds de prévoyance et la constitution comptable du fonds de prévoyance. C'est sûr que si votre fonds de prévoyance est bien calibré, qu'il est suffisant, qu'il y ait une étude et qu'il y a actuellement 130 000 $ parce qu'il y a des travaux majeurs dans les prochaines années, techniquement, vous avez la liquidité pour le fonds pour payer la dépense. Mais si vous l'utilisez, vous amputez d'autant votre planification et il faut la corriger tout de suite. Donc, comme vous ne pouvez pas modifier la planification de votre épargne liée à l'étude de votre fonds de prévoyance, prendre 10 000 $ de liquidité, ça vous impose de les remettre tout de suite puisque vous devez suivre votre planification. Donc, autant prendre 10 000 $ dans le fonds d'auto-assurance. Tant qu'une étude du fonds de prévoyance n'a pas confirmé que le fonds de prévoyance est suffisant, il serait hasardeux de présumer qu'on en a assez ou trop. Donc, il faut vraiment l'étude du fonds de prévoyance. Et souvent, les gens ont des surprises quand ils font faire leur étude du fonds de prévoyance, s'aperçoivent qu'ils sont vraiment en deçà des normes. Ah, c'est pas souvent, c'est quasiment toujours. Quasiment tout le temps, c'est ça. Vincent, vous êtes d'accord avec cet énoncé? Oh. Absolument. C'est rare. Mais en partant, que je pense que David l'a mentionné, il y a un fonds de prévoyance, il y a un montant. C'est pas, il y a une étude de fonds de prévoyance, il y a un montant. C'est sûr que si vous êtes la seule copropriété au Québec qui est au-dessus de son montant, qui est déterminé par l'étude du fonds de prévoyance, bien, écoutez, vous prenez une décision. Là. Mais je pense que d'avoir justement un bon fonds de prévoyance bien capitalisé, c'est un très bon argument de vente aussi. De plus en plus, je pense que les acheteurs sont au fait de ça. Les agents d'immeubles aussi sont au fait de vérifier la santé financière des syndicats de copropriété. Donc, tant mieux pour eux. Et puis, par définition, le fonds de prévoyance, c'est pour ce qui est prévisible, tandis qu'un sinistre est imprévisible. Donc, il n'y a aucune corrélation. Avis vous intéresser, Vincent, vous me corrigerez encore si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper. Les assureurs sont friands des syndicats de copropriété bien gérés qui ont une étude du fonds de prévoyance. Vous parliez d'arguments de vente. Dire à un assureur au moment d'une souscription, on a une étude de fonds de prévoyance, ben, le syndicat a un pas en avant. Là. Le syndicat est... Bien, c'est des questions qu'on se pose de plus en plus par les compagnies d'assurance, justement parce qu'eux s'en servent comme critère de souscription pour dire, bon, ben, on sait que cette copropriété-là est bien gérée. Par le fait même, ça devrait diminuer les chances de réclamation. C'est des choses qu'on se fait de plus en plus demander. Mais Jelka, peut-être que tu nous expliques la mécanique, là, le calcul du fonds d'auto-assurance. Une fois le règlement entré en vigueur, grosso modo, il se fait comment? Il se fait en deux temps. On vise à avoir, grosso modo, l'argent requis en tout temps, sauf évidemment lorsqu'il y a une réclamation. Je dois vous avouer, M. Sellier, que c'est un peu complexe à la radio parce qu'on a, je pense, des tableaux qui l'expliquent bien. Oui. Mais ce que je voudrais peut-être rebondir sur le commentaire de M. Gaudreau, on le sait tous, l'industrie d'assurance n'est pas très frileux d'assurer les copropriétés. Il ne reste, à moins d'indications contraires, que 6 assureurs au Québec qui font la petite copropriété, 2 ou 3 au maximum dans les grandes tours. Alors aujourd'hui, un syndicat, il se sent très chanceux d'être assuré par un assureur à des primes raisonnables avec une franchise raisonnable. Alors, plus vous mettez en place ce qu'on appelle une politique de gestion de risque, qu'est-ce que c'est une politique de gestion de risque? Justement, de procéder à l'établissement d'un carnet d'entretien. On sait, M. Sellier, le projet de loi 16 l'a annoncé, de mettre en place une étude de fonds de prévoyance. Encore là, le projet de loi 16 l'a annoncé. Immédiatement, bien, plus vous gérez en amont votre risque, plus vous limitez la sinistralité,
moins vous allez avoir une augmentation de prime. En fait, moi, je me suis posé comme question, mais pourquoi ces mesures législatives annoncées par 16 ne sont pas déjà en vigueur? Ben, évidemment, le gouvernement était toujours un peu inquiet lorsqu'on passe une mesure législative d'être en opposition avec la population qui dit encore des augmentations de taxes, alors que ces mesures-là sont beaucoup plus du préventif. Et je pense qu'une copropriété qui peine à se trouver un assureur devrait mettre en place immédiatement ce canal d'entretien, cette étude de fonds de prévoyance, non pas pour dépenser plus, parce que $1 investi en amont vous en fait sauver 4 en curatif, il y a des études qui l'ont démontré, d'investir en amont de l'argent pour limiter votre sinistralité puis garder également la valeur de votre actif, parce que si votre bâtiment est en bon état, bien, par la force des choses, vous êtes en mesure de le prouver à un acheteur potentiel, plus vous êtes en mesure de revendre facilement votre appartement. Donc, c'est d'être en santé financière et en santé de l'état physique du bâtiment, ce n'est que gagnant. Mettez-le-cœur, une question d'un internaute à propos de l'unité de référence, description de la partie privative dont la date d'échéance, mais là, je pense que ça a changé, vous allez nous le dire. Que la date d'échéance est prévue pour le 13 juin 2020. Qu'en est-il de cette mesure? Ben, dans un premier temps, la majorité des courtiers devront, d'ici le 13 juin prochain, faire le descriptif de leur partie privative au terme de l'article 1070 du Code civil du Québec. Ça a été introduit par le projet de loi 141. Ça a été corrigé par 41 parce que 141 ne mentionnait pas quel était l'organe décisionnel en cette matière, c'était le conseil d'administration de l'Assemblée copropriétaire. Québec a décidé qu'on devait faire voter le tout par l'Assemblée des copropriétaires en vertu de 41 et la majorité des copropriétés devront l'avoir fait d'ici le 13 juin. Alors, on a fait récemment une démarche, Maître Gagnon, Maître Pépinot et moi-même, auprès du ministère de la Justice, ministère des Finances, pour que soit reportée cette échéance du 13 juin. En raison, évidemment, de la pandémie du COVID-19, évidemment, avec l'interdiction de rassemblement, on se dit, composer une assemblée copropriétaire d'ici le 13 juin prochain, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, M. Sellier, dans le bulletin COVID-19 qu'on sort lundi prochain, on parlera de cette question-là. Donc, on a demandé le report. D'ailleurs, le Barreau du Québec et la Chambre des notaires nous ont appuyés dans cette démarche parce qu'on pense que c'est utopique de forcer les gens à se réunir d'ici le 13 juin pour voter en assemblée les unités de référence pour être conformes, évidemment, à la loi. Est-ce que ça va être adopté? Est-ce qu'on va obtenir un décret la semaine prochaine? On l'espère. On a quand même des signes de Québec à l'effet de vouloir dématérialiser les assemblées de copropriétaires, de pouvoir faire des assemblées virtuelles. On est dans les démarches présentement pour que Québec nous permettent d'aller dans ce sens-là, mais tout est à voir. On espère qu'on va pouvoir y arriver. Une question pour David. Sans clause pénale, peut-être l'avez-vous déjà vécu dans vos immeubles, sans clause pénale d'inscrite à la déclaration, y a-t-il un moyen de forcer un copropriétaire à donner une preuve d'assurance dans un délai raisonnable? En fait, comme les clauses pénales sont des menaces efficaces, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Les clauses pénales ne sont qu'un outil, c'est pas un droit supplémentaire qu'ont les administrateurs, c'est un outil plus facile que des mesures légales plus complexes. Mais effectivement, le conseil pourrait utiliser les services d'un avocat et idéalement en droit de la copropriété pour s'adresser au copropriétaire et exiger preuve de sa police d'assurance personnelle. Il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes, mais peut-être qu'on va prolonger de 5 minutes parce qu'on voudrait aussi traité du dernier règlement là, adopté par le gouvernement le 20 avril dernier, les risques couverts de plein droit dans un contrat d'assurance qui entreront en vigueur le 15 avril 2021. Vincent, ça veut dire que les assureurs devront dire noir sur blanc, voilà, il y a plusieurs choses de couvertes, mais nous, on ne couvre pas ceci, on ne couvre pas cela. C'est ça? En fait, il faut comprendre que la plupart, l'immense majorité même des syndicats de copropriété sont couverts sur un formulaire tout risque. Donc, à la base, les risques qui sont mentionnés sur le règlement sont déjà couverts. Il y a quand même deux choses importantes qui ne sont pas dans le règlement, c'est l'assurance tremblement de terre et l'assurance inondation.
C'est sûr que l'assurance inondation n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde. Donc, ça aurait été complexe de le mettre au niveau du règlement parce que pour certaines copropriétés qui sont sur le bord de l'eau, par exemple, c'est impossible d'avoir ce genre de couverture-là. Le reste des couvertures qui sont dans le règlement, normalement, pour un syndicat qui n'a pas de problème, qui n'a pas d'enjeu de sinistralité ou autre, ça devrait être couvert sur le contrat. Puis c'est sûr aussi que maintenant, les représentants, les courtiers ou les agents, s'ils ne couvrent pas ces risques-là, vont devoir le mentionner de façon spécifique là, aux copropriétaires. Donc, je pense que ça vient clarifier les choses. Est-ce que ça va changer sur le terrain là, énormément? Je ne pense pas tant que ça. Par contre, ça va clarifier vraiment les choses pour le consommateur où là, ils vont savoir exactement qu'est-ce qu'ils achètent. Et surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas couvertes, qui devraient l'être, il va que ça soit mentionné là, de façon très, très claire. Donc, de façon plus claire qu'auparavant, en tout cas, il y a un vieux cliché qui circule que les clauses sont écrites en pattes de mouche, comme on dit. Est-ce que c'est vrai, Vincent, de dire ça ou c'est exagéré? Non, en fait, c'est dans le temps. Là, mais il y a des règlements. Je parlais que l'assurance est assez réglementée. Là. Donc, non, c'est assez. Maintenant, c'est tout sur des fichiers PDF là, que les gens peuvent grossir. Il n'y a pas de problème. Mais donc, non, on n'est plus là aujourd'hui. On n'est plus là. Donc, je vous rappelle que pour comprendre le calcul des sommes à investir dans le fonds d'auto-assurance lorsque celui-ci entrera en vigueur. Maître Jolicoeur, c'est en 2022. Est-ce que vous aviez est-ce qu'on a la date, mais enfin, est-ce qu'on a le mois? Mais je pense que c'est en 15 avril. En avril 2022. C'est marqué sur le site qu'on a légal. Juste quand même pour finir un point que vous avez commencé, M. Sellier, la notion de risque, hein, la nature des risques. Elle est définie à l'article 4 du règlement. Si jamais les gens veulent avoir le fin détail, dans le glossaire du site Conlo Légal, peut-être que vous pourriez le montrer à l'écran, on a plus de 1000 définitions sur le site Conlo Légal. Donc, et si vous tapez vos risques, vous allez avoir... risque, OK. Risque tout court, voilà. Alors voilà, c'est juste descendu un tout petit peu. On l'a juste ici à l'écran, risque. Juste un peu plus bas, M. Sellier. On va descendre. Non, on est. Il faut. Non, attendez, risque. Je reprends le risque. Oui, risque. Voilà, ici. Voilà. Donc, vous descendez un peu plus bas. Voilà. Ici. Et dans la définition du site qu'on le légal, vous avez justement la nature des risques et la définition de l'article 4 du règlement sur les assurances. Et on a donné essentiellement les risques couverts. Donc, on parle du vol, incendie, la foudre. Tout ça, vous retrouvez l'information sur le site Conlo Légal. Vous êtes donc en mesure de pouvoir vérifier. Effectivement, M. Gaudreau, tu as fait raison que c'est des polices d'assurance standard, mais j'ai déjà vu, moi, des polices d'assurance qui avaient quelques lignes qui avaient été oubliées. Il faut quand même se rappeler que les polices d'assurance syndicats couverts ne sont pas tous pareils. N'est-ce pas, M. Gaudreau? On a des fois des définitions, des choses qui sont... Donc, c'est d'ailleurs le rôle, hein, M. Sellier, d'avoir un courtier d'assurance pour vous accompagner. Quelqu'un de spécialisé comme M. Gaudreau en assurance condo, copropriété, c'est important. Je ne sais pas qui est le seul, mais c'est vraiment un des grands spécialistes pour justement vérifier la conformité de la couverture d'assurance aux dispositions de la loi, de telle sorte que s'il n'y a jamais un sinistre, on n'est pas de mauvaise surprise. Et on ne le dira jamais assez, et croyez-moi, mesdames, messieurs, je ne fais pas de publicité gratuite, mais il est important de faire affaire avec des personnes qui ont développé une expertise dans le domaine de la copropriété divise, que ce soit notamment un gestionnaire de copropriété, un courtier en assurance de dommages, évidemment un avocat en droit de la copropriété, un notaire, des autres. On ne dit pas que tous les autres sont mauvais, mais ce qu'on dit, c'est que les personnes qui ont développé une grande expertise dans le domaine de la copropriété sont habituellement au fait des mises à jour, sont au fait du domaine et peuvent vraiment aider le consommateur au meilleur de leur connaissance. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de David Ménassé, gestionnaire de copropriété, président d'équipe Propriégestion, Vincent Gaudreau, courtier en assurance de dommages, Yves Jolicoeur, avocat en droit émérite, avocat émérite en droit de la copropriété. Bon, alors excusez-moi, je n'ai pas le coronavirus, mais il y a peut-être quelque chose dans l'air qui me fait dérailler comme ça. Alors, merci beaucoup à nos trois invités. Et je vous rappelle que la prochaine émission, la semaine prochaine, sera consacrée notamment à la comptabilité
en cobrité, c'est le temps des impôts, même si les reports vont jusqu'au 30 juin, il va falloir le faire, il va falloir faire un rapport d'impôt. Et les syndicats doivent en faire un. Et j'espère que M. Lecœur sera là pour nous entretenir de toute la teneur légale de cette question. Merci beaucoup à tous. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine à 15h et non 13h. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.